Bonjour, alors dans cette vidéo aujourd'hui, les petits farcis. On va faire ça avec une farce un peu différente qu'une farce habituelle. Alors pour cette recette, il va me falloir donc des légumes, des tomates ici, hein, toutes les couleurs. J'ai deux petites courgettes rondes, hein, la courgette de Nice. Je n'ai pas trouvé de jaune, mais on aurait pu mettre des jaunes. Voilà, ça c'est pour les légumes donc. Il faudra un peu de, pour la farce, un peu de d'échalote ou d'oignon, un peu d'ail. Ici, j'ai du foie de volaille, j'ai de la chair à saucisse banale pour la farce. Ici, j'ai du persil haché. Voilà, j'ai un peu d'eau là et on va s'y mettre tout de suite pour mon petit farci. On va d'abord vider les légumes, les petites courgettes. On va vider l'intérieur. On va vider à l'intérieur, puis on va devoir les blanchir un petit coup avant. Allez, on vide les courgettes et les tomates, comme ça, avec une cuillère. Voilà, j'ai vidé mes tomates, mes petites courgettes. J'ai pris un petit peu d'eau ici avec des glaçons dedans pour rafraîchir les courgettes qu'on va mettre maintenant dans l'eau bouillante, comme ça, pour 1 à 2 minutes. C'est très rapide, hein. Faut les blanchir un petit coup, quoi. Voilà, et on les plongera dans l'eau froide pour les rafraîchir aussi brutalement. Là, j'ai fait chauffer de l'huile d'olive. On va y mettre des petites échalotes. Voilà. Hop. Cette chair, si on avait pu garder un peu de chair de la courgette, on l'aurait mis ici. Baisser le feu. Mais bon, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de pépins dans ces petites courgettes. Là, on va prendre la chair des tomates qu'on va mettre à la poêle. Ça va prendre très peu de temps. Allez, on se retrouve dans 1 minute. Voilà, l'ail, je l'ai haché. On le met avec. On va essayer d'enlever le maximum d'eau, du sel en poivre. Ça c'est pour la farce. Nos légumes, nos petites courgettes, on ne les fait pas trop cuire, il ne s'agit pas de les faire cuire, on veut juste les faire blanchir. Voilà, ça fait 2 minutes qu'elles sont dedans. Hop, on rafraîchit pour arrêter la cuisson en fait. Faut les arrêter, il faut qu'elles arrêtent de cuire. Voilà, ça va, on les aura pré-cuites si vous voulez, ça va les avoir blanchies un cuit et surtout ça va garder une belle couleur de nos petites courgettes. Allez, on se retrouve pour la farce. Pour la farce, alors, donc nos légumes là sont bien sués. Normalement, une farce toute basique, c'est de la chair à saucisse, un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de persil, de la mie de pain et du lait. C'est la base d'une farce pour légumes. Nous, on va changer un petit peu. Donc, on a pris une chair à saucisse, j'ai mis un peu de persil, j'ai fait revenir ma chair de tomate, un peu d'ail et des échalotes, sans coloration. Je mets tout ça là-dedans. Hop, dans l'huile d'olive. Ici, j'ai du foie de volaille. Et on mélange tout ça. Allez. Le foie de volaille, je l'ai donc lâché à la main. On pourrait très bien prendre un hachoir électrique. Le hachoir électrique a pour effet de hacher beaucoup plus finement. Moi, je ne voulais pas. Je veux que ce reste grossier, un hachage grossier, c'est un choix. Hop, on mélange tout ça, on va saler, on va poivrer, on sale en poivre, on peut y rajouter un peu de piment, un peu de ce que vous voulez, c'est à votre convenance, à votre goût, hein. Allez, on hache tout ça,
On mélange tout ça. Voilà, j'ai égoutté mes petites courgettes. Ensuite, ma farce, donc j'ai bien mélangé. Et on farcit. J'ai fait chauffer un four, préchauffer un four. On va le mettre à 180 degrés. Et on y laissera nos petits farcis pour une demi-heure. On vérifie la cuisson. Hein. Hop. On vérifie la cuisson. Et ça devrait suffire une demi-heure. Hop, on farce tout ça. Voilà une façon de faire des petits farcis. Des petits farcis de légumes. Ça marche aussi avec n'importe quel légume. Des poivrons par exemple, mais c'est pas trop la saison là. Là on est en juin. Les tomates commencent juste à peine. Remarquerez que j'ai laissé le petit. C'est juste pour l'esthétique. C'est important l'esthétique. Allez, on se retrouve donc à la sortie du four. Dans une demi-heure. Alors voilà, environ 40 minutes après, mes farcis. Ils sont cuits juste ce qu'il faut. Hein, on les pique, on regarde. Allez, je vous mets quelques photos et à vous.